Bon matin, mon petit chat. Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on est lundi. On est lundi matin, il est à peu près 7h30. Je viens de me lever, ça fait pas trop longtemps, comme vous pouvez l'entendre par ma voix. Mais j'avais envie de vous amener avec moi aujourd'hui parce que ça va être quand même une belle grosse journée. Et puis j'avais envie que vous viviez avec moi un lundi quand même assez productif. Comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour... justement, être capable de jongler avec mon travail de semaine, un petit peu YouTube et notre compagnie de photos vidéo. Alors, si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, et bien enchantée, je m'appelle Caroline. Soyez sûr de vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, première chose ce matin, je vais regarder mon agenda. J'ai fait ma to-do list pour la journée aujourd'hui. J'ai quand même pas mal de choses. Je dois quitter pour le travail habituellement vers 8h30. Fait que ça me laisse toujours à peu près une heure et demie selon l'heure à laquelle je me lève le matin pour pouvoir avancer des choses. Le truc, c'est vraiment de maximiser n'importe quel moment que vous allez avoir. Fait que ce matin, ben, je commence par regarder mes courriels personnels, courriels de compagnie. Et puis après ça, je regarde si j'ai pas de la paperasse à faire. Fait que des devis à envoyer, ce genre de choses-là, ça me prend pas trop de temps. Fait que je vais faire ça. Mais avant ça, j'ai un vlog qui était censé être en ligne ce matin. Fait que je vais aller vérifier s'il s'est bel et bien mis en ligne. Et puis, si tout se passe comme prévu depuis la mise en ligne, absolument, donc super. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller partager ça dans mon Instagram, dans mes stories, pour que vous puissiez le voir. Je sais qu'il y en a certains qui attendent après ça pour savoir que j'ai des nouveaux vlogs. Fait que, pourquoi ça fonctionne pas? L'application que j'utilise pour ça, c'est Unfold. C'est une application que j'avais faite une espèce de modèle de template et puis je fais toujours juste réutiliser le même, mais j'aime vraiment le petit modèle, fait que je l'ajuste. Je vais mettre ça là et aller sur Instagram pour le partager. Faire rapidement ce matin. Là, je me suis maquillée et préparée, changée. Je vais vous montrer mon petit outfit après. Par contre, je vais aller faire mon lunch avant. D'habitude, je fais tout le temps mon lunch genre la veille pour justement m'éviter de courir le matin. Mais hier, on est revenu quand même tard, puis ça me tente pas. Fait que je vais juste ramasser une couple de petites choses qui traînent dans le frigo pour en faire un lunch. Puis espérer qu'il y ait quelque chose de suffisant. Mais je sais qu'on a pas une affaire. Donc, j'ai fait une salade de quinoa en fin de semaine avec plein de légumes, pois chiches, fait que ça va être mon lunch. J'ai pris une petite bartende Kit Kat comme dessert avec une petite compote de pommes, ça va être plus pour mon déjeuner. J'ai des petits Ritz dans le fond aux légumes, une pomme et des pois chiches grillés. C'est so-so, pour vrai, j'aime pas tant ça, mais on les a faites, fait que je veux pas les perdre, je veux les manger. Avec ça, ma bouteille d'eau, juste ici. Fait que le lunch est pas mal complet. Pour mon petit outfit, ça ressemble à ça. Là, j'ai plein de linge parce que je veux filmer une vidéo pour Instagram. Fait que bref, j'ai mis un chandail à manches longues comme ça qui est vraiment basic. Des jeans, mom jeans qui viennent du H&M que j'aime vraiment beaucoup. Et mes bottes du Ardennes que j'aime aussi vraiment beaucoup. Par contre, quand je les avais pris, je les avais commandées en 8, fait qu'il avait fallu que je les échange. Fait que si vous les prenez, si vous les achetez, je pouvais pas vous les mettre en barre info là. Mais commandez une grandeur plus grande parce que c'est ça. Puis tous mes bijoux réguliers. Donc, on va être pas mal prêt à partir. Toutes mes affaires sont prêtes. La seule chose qui me reste à prendre, c'est mon agenda ici. Et puis, mis à part ça, je viens de finir de préparer le stock de caméras pour les photos d'aujourd'hui. Mon petit sac est ici. Mon lunch est prêt, fait que on est all set. Quand je me rends au travail, c'est tout le temps le moment où est-ce que je vais mettre de la musique pour me hyper pour la journée. Mes cheveux font tellement durs, oh my god. Ouais, je vais me hyper
pour bien débuter la journée, me mettre sur un bon mood. Fait que là, je suis vraiment... J'ai découvert la nouvelle chanson Holy de Justin Bieber puis Chance the Rapper. Je tripe moyen sur Chance the Rapper, mais Justin Bieber, j'adore. Fait que elle est vraiment bonne. Et sinon, Delmar de Ozuna. Cette chanson-là, je l'adore. Bon, fait que j'arrive au travail, il est 9h moins 13, très exactement. Aujourd'hui, là, j'essaie de penser à la journée qu'on a. Je sais pas pourquoi je suis tellement en course que là, je suis à bout de souffle. J'ai même pas marché. Ce matin, les lundis matins au travail, c'est toujours genre meeting d'équipe, meeting de l'agence au complet avec tout le monde. Fait que s'il y a des messages importants ou des nouveautés ou des affaires de même, c'est là qu'on le sait. Puis ça ressemble pas mal à ça. Fait que d'habitude, dans ce temps-là, il nous reste à peu près une heure de notre avant-midi. Fait que ça passe vraiment vite. Le midi, je sais pas s'il va faire assez chaud pour qu'on aille manger dehors ou si on va rester en dedans. Mais bref, on verra bien rendu là. Puis cet après-midi, ben c'est souvent justement le reste des affaires qu'on n'a pas le temps de faire le matin. Fait que les lundis, c'est des grosses journées, mais ça passe super vite. Ça doit être mes journées préférées. De toute façon, à la base, j'adore les lundis. Je trouve que c'est toujours genre un nouveau départ. Puis je sais pas, j'aime vraiment ça, avoir des nouveaux plans puis des nouveaux buts pour la semaine. Fait que c'est toujours bien le fun. Donc, on va prendre notre petit bonheur et puis on va aller travailler. Oh, what a day! La journée de travail numéro 1, on va dire ça de même, est terminée. Ça a très bien été aujourd'hui. Comme je vous ai dit ce matin, là, les avant-midi, ça passe toujours ultra vite parce que justement, il y a énormément de meetings en avant-midi. Fait que ça, puis cet après-midi, bon, on a eu beaucoup d'affaires de dernière minute, fait que ça fait en sorte que justement ça passe encore plus vite. Sérieusement, j'ai pas vu la journée passer, pas en toute. Fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là. Là, vous allez manquer de batterie, fait qu'avant que ce soit le cas, je vais me focusser sur la route, puis je vais vous parler rendu à la maison. Bon, vous êtes chargé. J'ai juste changé de batterie. Ah, c'est fou comment, par exemple, cette caméra-là, je l'aime vraiment beaucoup. La nouvelle caméra que Anto m'a achetée, mais les batteries ne t'offrent tellement pas longtemps, c'est débile. Bref, là, il est rendu 5h20, 25 et demi, dans ces eaux-là. Et puis, quelque chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était de filmer un Reels. Nouvelle fonction sur Instagram, là, qui se fait pas trop longtemps, en tout cas que moi, j'ai découvert, mais qui est un petit peu le même principe que TikTok, sauf sur Instagram. En fait, à mon avis, c'est sensiblement vraiment la même affaire, juste moins bien faite que TikTok. On va dire ça demain. Mais j'ai quand même envie de le tester puis de faire des trucs plus de outfit parce que je trouve beaucoup d'inspiration de outfit sur cette plateforme-là. Ben en fait, autant dans les Reels que sur TikTok, c'est à peu près uniquement les seules raisons pourquoi je vais sur ces plateformes-là. C'est pour voir des inspirations de outfit. Fait que je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire ma version de ça. Fait que c'est ce que je vais faire à l'instant. Je sais à peu près le modèle que je veux faire. J'ai déjà des outfits que j'avais planifié hier aussi. Fait que le premier outfit, je pense que si je vais faire, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui. Parce que j'aime vraiment le petit look. Fait que ouais, je vais filmer genre un 3 outfit inspiration, quelque chose comme ça. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Vous pourrez aller voir sur mon Instagram. Je vais quand même, je pense, vous setuper pour que vous voyez les behind the scenes. Je pense qu'on y est arrivé. Je suis pas si fière que ça, mais ça c'est la perfectionniste en moi qui tripe so-so, sauf que je me dis c'est dans mes premières expériences. J'ai jamais fait de genre vidéo de même, fait que c'est comme n'importe quoi. À force d'en faire, on s'améliore. Fait que je vais probablement le poster demain, ce que je regardais, ça fit dans mon feed demain. Là, il est rendu 6h10 en tôt. Il est en train de faire des photos, je pense qu'il m'écrit justement parce qu'il a terminé, qu'il devrait s'en revenir bientôt. Fait que je me demande si je l'attends pour le souper ou si je commence à le faire pour que ça soit prêt. Oh, pour que ce soit prêt quand il arrive. D'ici là, je vais m'installer puis je vais commencer à faire le montage d'un vlog qui va être en ligne à la fin de la semaine. Mes deux vlogs de aujourd'hui et de mercredi sont prêts. Il me reste à finaliser celui de vendredi. Fait que je vais faire ça, faire le thumbnail, l'exporter, le mettre en ligne. Mais à part ça, j'avais fait quand même une bonne to-do list pour aujourd'hui. Ça c'est fait. C'est la seule affaire qui me reste à faire ce soir. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. C'est ça, comme je dis, Anto est parti faire des photos, fait que quand il va revenir, il va me ramener plein de travail. Mais je penserai pas faire ça ce soir, là, je commence à être dosée, un tantinet.
le vlog est officiellement terminé et en train de se télécharger. Fait qu'après ça, je vais pouvoir le mettre sur YouTube. Ça va être pas mal ça et le thumbnail qui va me rester à faire. Et puis là, ben il est rendu 7h. Anto m'a écrit qu'il s'en venait. Fait que je vais commencer à préparer le souper en attendant qu'il arrive. On se casse pas la tête ce soir. On a décidé qu'on allait manger du poulet. Fait que c'est ce qu'on a fait décongelé. On va faire ça avec... Je sais pas trop quoi d'autre, mais quelque chose d'autre. Fait que je vais commencer à faire cuire le poulet. Trouver ce qu'on va manger avec ça. Peut-être genre des brocolis congelés ou quelque chose comme ça. Ça me tente tellement pas. Fait que ouais, je pense que ça va être ça. Oh, je pense que ça va être ça pour le souper. Très simple, très basique. D'habitude, j'aime tout le temps ça préparer quelques affaires d'avance, mais là, j'ai pas le temps. Look who's back! On check en arrière de toi. Petit coco! T'es en train de faire le souper. Le poulet, juste ici, ça sent vraiment bon. En tout, ils avaient fait mariner avant de les faire congeler. Puis j'ai vraiment adoré cette méthode. Donc ça, puis on filait vraiment paresseux. Fait qu'on s'est fait juste une petite assiette avec du hummus comme accompagnement. Fait qu'on va manger ça quand ça va être prêt. T'es encore rosé à l'intérieur, mais j'aime mieux le faire cuire plus lentement, mais qu'il soit plus tendre que de le faire cuire trop vite. Vous connaissez la routine. Petit souper et sans. On est encore en train de chiller, mais là, on est en train de regarder un petit peu de travail pour optional pour les prochains drops, nouvelles de prochaines collections, ce genre de choses-là. On travaille un petit peu là-dessus. Puis on essaie de trouver des petites affaires cool. Fait que ouais, ça c'est bien chill, c'est bien chill pour la soirée. Moi je me demandais si j'allais au gym demain matin ou pas. Je sais pas trop, on dirait que j'ai genre envie de dormir. Mais en même temps je me dis faudrait que je me lève puis je travaille un peu. En même temps j'ai envie d'aller au gym parce que ça fait genre 3 semaines que j'ai pas été. Fait que je suis en gros dilemme là-dessus, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Bon, fait que la journée est arrivée à la fin. Oh, je viens juste de terminer de mettre le vlog en ligne complètement pour planifier. Fait que je viens de finir le thumbnail et les petits derniers détails qui manquaient. Puis il est rendu 9h et je sais plus quoi, 10h-10. Je vais aller me démaquiller, mettre en pyjama puis me coucher. Fait que je pense que moi ben, je vais terminer le vlog là-dessus. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.